Hello, je vous prends là parce que j'ai pas pu avant. Voilà, c'est juste une toute petite sortie tuilage comme j'appelle, c'est-à-dire récupérer les tuiles cartographiques qui me manquent sur l'application Squadrat. C'est surtout un prétexte pour découvrir de nouveaux endroits, de nouveaux chemins, pas très loin de chez moi. Franchement, mission accomplie pour l'instant. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est quand même très sympa. Micro sortie 50 km, donc micro vidéo, mais qui j'espère va quand même être plaisante à regarder. Au moins, ça sera pas trop long. L'avantage d'être gros, c'est que dans les descentes, vous rattrapez les mecs maigres. Vous voyez ? Alors moi, j'ai raté ma trace par contre, donc on n'aura pas ce luxe de me voir galérer à les suivre. Je vais faire un point trace. C'est ça qui est bien avec le tuilage, c'est que ça vous fait découvrir des petits chemins dont vous n'auriez pas imaginé l'existence. Généralement pas loin chez vous, dépaysement garanti. Alors forcément il y a des à côté, des fois ça grimpe sur de la caillasse. Là, je vais rejoindre malheureusement une nationale ou une grosse départementale, je sais pas, mais j'ai pas pu l'éviter. Il n'y a rien de rien pour la contourner. Alors, c'est parti, on sort les fesses. Elle n'est pas terrible cette grosse départementale, mais on peut rouler à droite là sur du gravier ou de la route défoncée. Alors, c'est cool. C'est comme une piste cyclable de gravel. C'est une piste gravelable. Alors, tronçon limité à 90. Là, j'ai plus ma piste gravelable, trop. Donc, je serre les fesses très fort ici. J'aime pas ça. Ça fait cher la tuile pour moi. Là, il faut aller à gauche. Mais je préfère descendre de l'eau parce que les gens bombent. Je pense que ça va beaucoup mieux se passer. Au niveau stress, ouais. Elle est beaucoup plus sympa que la route de merde. Hein. Beaucoup, beaucoup plus sympa. Alors, faut pas qu'il pleuve. Parce que là, je vois que quand même, ça reste couvert. Non, mais regardez-moi ça. Allez, photo. C'est incroyable que je découvre un chemin de cette qualité avec des paysages de cette beauté en tuilant, quoi. C'est dans aucun guide, ça. Sur Komoot, il n'y a pas de point d'intérêt. Bon, je vais en rajouter un, du coup. Mais il n'y a pas de photo de chemin, là, de trail view, il n'y a que dalle. Donc, c'est pas mainstream, quoi. Alors, c'est ce qui en fait aussi le charme. Hein. S'il y avait 25 cyclistes, là, je serais malheureux. Et alors, je ne sais pas si vous voyez à l'écran
les couleurs des petites fleurs, du jaune, violet, du bleu, du rose là, c'est somptueux. Un peu quand il y a de la caillasse par contre. Comme j'ai des petits problèmes de selle et de vélo trop petit pour moi, je suis très en recul sur la selle et pour tout vous avouer, on est entre nous, chaque fois que je me prends une grosse caillasse, j'ai quand même l'impression que mon vélo me donne un peu pied dans les parties. J'évite quand même de prendre trop la caillasse à plein pot quoi. Incroyable cette trace que je me suis faite. Alors comme d'habitude, je vous la file sur Komoot et Strava. Donc abusez-en là pour le coup. Je vous le dis quand c'est des traces foireuses et qu'il faut éviter. Là, à part pour l'instant, hein. À part le bout de national dégueulasse, faut serrer les fesses. Tout le reste, c'est du plaisir. Les petites fermes, elles sont magnifiques, quoi. Elles sont bien conservées, bien retapées. Ça garde du cachet. Chapeau, les amis. Alors je me rends compte, j'ai pris qu'une seule batterie de GoPro. Donc là, je suis déjà à la fin de celle-ci. Ouais, j'essaie de vous faire une conclusion quand même. Vous voyez ma tête. Même si je suis en hyper view, donc la vue doit être assez bizarre. Oh, impression de vitesse de ouf. Je suis avant. Hein. Je suis la trace en même temps. J'essaie de pas me casser la gueule. Oh, c'est pas évident, hein, ces conneries. C'est un métier en fait. Je découvre que c'est un métier. Petite conclusion, hyper rapide. J'ai découvert plein de nouveaux chemins absolument incroyables, enfin, pour moi, grâce au tuilage. C'est vraiment quelque chose qui m'apporte beaucoup. Ça a l'air d'être un jeu pour geek, mais ouais, ça m'apporte énormément. Ça me fait découvrir vraiment des coins absolument somptueux. Et vraiment, j'adore. Hein. Regardez, enfin, je vous mets là, ce que je vois, quoi. Enfin, vous voyez l'esprit, quoi. Je découvre ça. J'avais pas mis une roue ici encore. Mais c'est vraiment en voulant tuiler que je découvre ça. C'est tout pour aujourd'hui. C'était plutôt court, mais plutôt qualitatif. Je suis assez content. Et il me reste à vous faire des gros bisous. Faites du vélo et à très vite.